bleu de King Melrose qu'on a la chance d'avoir avec nous pour la prochaine heure. Et c'est un privilège que de t'avoir avec nous en studio. T'es toujours le bienvenu ici. On t'avait de te donner une carte chouchou, là, comme tout le monde en parle. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est important, je trouve, d'encourager les gens d'ici, mais toi, tu redonnes beaucoup à ceux qui t'encouragent. Ben, je trippe tellement, tu sais, justement, je viens d'ici, puis j'aime ça dire que je viens d'ici, puis il y a tellement de bons musiciens dans le coin. Puis M135 a toujours été là pour moi au début. Tu sais, j'ai apporté mes petits démos, mes premières perfos, vous avez été là. Tu sais, fait que c'est tellement hot. On se parle entre nous autres, veux, veux pas, là, on en entend beaucoup de la musique et je me souviens, je pense que la première fois que je t'avais entendu, c'était au Vendredi Acoustique. Et oui. J'avais dit, mais je m'attendais pas à ça du tout, du tout. Et on savait que c'était une question de temps avant que le King se dévoile. Et vient avec ça, évidemment, un premier album que tu as pris ton temps pour faire, si on le sait, le deuxième a été un peu plus rapide dans la conception, mais vient avec un deuxième album, une pression. Une pression parce qu'on en attend tout autant et même plus. Est-ce que tu l'as senti, cette pression-là, ou tu n'as pas vraiment eu le temps? J'ai pas vraiment eu le temps, comme je dis. On a sorti des chansons, on avait beaucoup de matériel. Et j'ai voulu faire un tri un peu dans tous mes ébats sexuels. Non sexuels, mais créatifs. Et musicales. Oui, musicales. Ouais. Hein? C'est... quoi la question? C'est... Est-ce que tu sentais cette pression-là d'un deuxième album? Est-ce que tu avais l'impression qu'il... Je l'ai pas senti, non, vraiment pas. Non, avec l'équipe que j'ai en arrière de moi, j'ai pas eu le temps de sentir ça. J'ai tellement donné de l'amour, puis j'ai tellement eu d'amour que ça a comme juste sorti, puis ça a été le fun. Est-ce que tu fais appel à tes proches aussi pour quand il y a le temps de trier le matériel? Faut pas trop faire ça. Okay. J'explique pourquoi. Il y a du monde qui vont dire, un qui va dire, oh, fais ça de même, l'autre qui va dire, oh non, fais pas ça de même. Tu peux pas parler de ça. Ça se fait pas. Grand-mère serait pas contente. Okay. Ouais. C'est souvent ouais. Des trucs comme ça, puis. Je pense d'un peu de se détacher un peu des gens, qu'est-ce qu'ils pensent. Ça a l'air bien niaiseux, mais c'est pas tout le monde qui a vérité absolue, ni moi. Là. C'est juste qu'on sait un peu qu'est-ce qui va fonctionner avec l'équipe que je me suis entouré. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé, dans le sens que le premier album, on savait quelles chansons fonctionnaient. Donc, on a été dans le sens que les chansons ont marché le plus, comme Sauve-moi de toi, Excuse-moi. C'est un peu une suite logique, je pense, le deuxième album. Là. Tu parles de l'équipe qui t'entoure, tu parles des gens qui se sont entourés aussi pour l'écriture, ton band, tout ça, finalement, t'es un gars de gang. Ça te prend ça? Ben moi, ça me prend ça dans la vie. Je pense que je suis un peu capable d'être... Un roi ne peut pas vivre sans sa... Sa cour! C'est tellement pas vrai. C'est surtout ta... C'est tellement moi, c'est ta modestie que j'ai toujours aimé, King. C'est beau. Il y a des gens à la maison qui vont faire « Lui, je l'aime pas bien. » J'aime pas beaucoup son attitude. Il est frais. C'est pas vrai. Non, mais en fait, je pense que d'avoir des gens qui m'entourent me permet un peu de briller un peu à travers eux, à travers leur talent. Puis je pense que c'est la même chose d'eux-mêmes aussi. Je pense que c'est du donnant-donnant dans la vie. Est-ce que pour ces chansons-là, tu t'inspires de la vie des autres ou c'est autobiographique au complet, cet album-là? Non, c'est pas autobiographique. Je pense à la chanson « Tentation », là, c'est tout. Là. Non, en fait, il y a beaucoup de tentations dans ma vie, mais je pense que les chansons, souvent les auteurs, ils ont vraiment carte blanche, c'est ce que je tiens à dire. Puis ils savent un peu comment je suis dans la vie, ils savent, en fait, ils me connaissent beaucoup, les auteurs. Donc, ils vont un peu dans un terrain que je suis habitué, mais ils vont rencontrer leur histoire, ils vont rencontrer l'histoire peut-être de leur ami. Donc, c'est pour ça que les chansons, il y a un peu tout le monde qui peut s'y approprier, tu sais, justement, qu'ils écoutent et vont faire comme oh, ça me parle un peu plus, ça. Oui, exactement, parce qu'on ne peut pas avoir tout vécu non plus là, dans la vie. Donc, Non, mais surtout pas à 26 ans, là, j'ai pas. J'ai pas cette prétention-là. Ouais. Non, pas encore. Je suis un roi, mais. Pas encore, qui dit Ça viendra bien assez vite. Non, j'ai pas. Et c'est un plaisir de t'avoir, Sébastien, avec nous, bien sûr. Et on a eu cette belle version acoustique de Bleu. Là, tu vas nous offrir... Je vais vous offrir « Avis », qui est une chanson un petit peu plus triste. Cette chanson-là, j'aime pas ça trop en parler parce que c'est un peu dark. Mais on a tout quelqu'un dans notre vie où on connaît quelqu'un qui s'est suicidé. On n'en parle pas souvent du suicide. Puis j'ai ma cousine qui s'est suicidée, moi, il y a quelques années. Puis c'est un peu une chanson pour elle. OK. Ouais. Bon, on va l'écouter encore plus attentivement. Mesdames et messieurs, King Melrose et Avis sur les ondes du M. Tu disais que l'amour est un jeu perdu. À la fois enfer et secours qui sauve.
Dieu. Oh, 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 oh. Rien n'arrête l'incendie, rien n'arrête la folie d'un cœur qui est maudit. Fini, rien n'arrête les démons, pas même les chansons, puisque toi t'es parti à vie. Tu disais que la nuit est belle en blanc, que la douleur passe inaperçue, noyée par dedans. Oh, 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 oh. Rien n'arrête l'incendie, rien n'arrête la folie d'un cœur qui est maudit. Fini, rien n'arrête les démons, pas même les chansons, puisque toi t'es parti à vie et tu restes seul dans la nuit et tu me laisses seul à vie. Puisque toi t'es parti à vie, tu restes seul dans la nuit, tu me laisses seul. Cindy. Très touchant. Bravo.